guys, ça va les potos, la forme, les vacances se passent bien ou vont mal commencer avec l'autre ce qu'il annoncé là, tu vois, un petit peu. Je vais pas rentrer dans les tailles, mais je sais qu'il y en a certains, ça leur a gâché les vacances parce qu'ils pourront les faire. On rentre pas là-dessus. Hein. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous présenter une marque de, de vêtements. De fringues. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, "Putain, un moment tu sais beaucoup de choses, etc., etc." C'est vrai que c'est pas trop euh, le sujet euh, principal euh, de la de la chaîne. Moi, je suis plutôt plus, euh, plein d'entraînement, etc., etc. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de voir un petit peu euh, autre chose. Euh, donc les roues, les vélos, bon, ça fait partie quand même du monde de, heureusement du cyclisme. Euh, les lampes, là, toutes les dernières lampes de chez Olight une bombe, la grosse là, là il n'y a pas plus gros, c'est le haut de gamme, bientôt bientôt, avec un tri de réduction de fou. Euh, donc ça et je suis et j'ai été pardon contacté par une marque de vêtements, de fringues. Alors c'est une marque chinoise. Alors j'étais un petit peu réticent là-dessus. C'était une marque chinoise. Euh, donc je suis un petit peu renseigné. Très très bon retour, très très bon contact avec eux. Euh, China, donc euh, elle se reconnaîtra sûrement et, euh, et donc voilà donc ils m'ont proposé si j'étais intéressé alors c'est le marque qui est assez euh, connu euh, au pays euh, chez les asiatiques là-bas continent aussi américain commence à en avoir de plus en plus euh, australien aussi j'ai vu donc quand même c'est assez développé de l'autre côté de la planète chez nous très peu très, très, très peu, voire même pas du tout, donc quand ils m'ont contacté, j'ai putain, je, donc j'ai pris l'opportunité, je fais banco, mais toujours avec un petit peu, tu vois, fabriqué en Chine, etc., un petit peu, a priori, priori, je ne veux pas tomber dans le truc qu'on peut trouver sur un site ou des sites pas chers, vous voyez ce que je voulais dire, donc j'étais un peu réticent dessus, euh, donc avec tout un petit peu, ce que j'ai recherché ou quoi, j'ai dit, bon, Banco, je me lance, de toute façon, ben, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas. Et j'ai été très, très surpris par la qualité. Donc, je leur ai demandé de m'envoyer un maillot et un cuissard. Euh, et quand j'ai ouvert donc tout ça, j'ai été surpris par la matière. Alors, on va commencer par le maillot. Donc, le maillot, c'est qualité, donc le tissu, qualité. Donc, c'est du tissu italien en fait ils ont, voilà, ils ont fait tissu italien ils ont pris chez eux donc ça qu'on a pris un peu bas après hein. donc tissu italien tu peux le voir tu veux que je me lève tu veux que je fasse une petite démo vite ou si tu veux regarde moi ça là tu vois un peu un petit peu alors tu vois le tissu il est imprimé tu vois tu peux le voir au niveau des bras alors en ce moment c'est nouveau ça tu vois ça là Tac. Avant, on avait, vous savez, le, le, cette bande de, de silicone, c'est sans, sans couture. Et c'est que je remarque de plus en plus que, tu vois, vous voyez, les maillots sur le tour, maillot joint, etc., etc., ils ont exactement ce alors Je ne sais pas en ce moment, voilà, c'est ça. Mais ça tient très très bien. Hein. Je suis sorti une fois avec, ça ne bouge absolument pas. Donc voilà, tu vois un petit peu le maillot, tu vois, sur le côté. Tac. Et donc derrière, tu as trois poches. Voilà, et moi, surtout, voilà, moi, ce que j'aime, c'est ces imprimés, tu vois. Alors, donne-moi ça. C'est vrai que t'en vois pas, t'en vois pas partout. Donc, derrière, bien entendu, tu as, on le voit ici, une bande de silicone marquée souqué dessus. Tu vois un peu le truc Voilà, voilà. Tu vois un petit peu, c'est vraiment, déjà, la qualité, moi, elle m'a surpris. Donc, rien... Euh pas plus, pas moins que des grandes marques italiennes, parce que, déjà le tissu, c'est du tissu italien. Donc déjà, très très bon point sur le maillot. Là, très autonome, je fais, boum, je valide le maillot. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que eux, suke, ils font des maillots sur mesure. Tu vois un peu le truc Moyenne en finance, je crois que c'est, tu vas payer le maillot 20 euros de plus. Ça c'est très bien parce que souvent tu as des personnes qui sont beaucoup plus, voilà, une cage thoracique un peu, plus, un peu plus forte, mais en bas ils sont faits ou le contraire, tu vois. Tandis là tu leur envoies tes mensurations, tac, tac, et tu as vraiment le maillot vraiment à ta mensuration. Nickel. Ensuite, il faut penser que chez eux, souvent dans notre marque, on a tendance à prendre une taille en dessus. Mais eux c'est le contraire, il faut prendre plutôt une taille en dessous. Moi bon, habituellement je fais du taille M, ça c'est un taille S. Si tu as un doute, tu renvoies un mail, ils vont te dire exactement. Après, tu as le tableau et tout et tout. Voilà. Après, moi j'aime quand vraiment ça sert, quand vraiment, ça colle euh, à la peau, parce que j'aime pas les. Toutou -toutou, tu vois, donc j'aime bien quand vraiment ça, euh, ça sert. Après, voilà, ça c'est à chacun. Je suis plutôt assez fin, voilà, voilà ça c'est. Donc déjà le maillot, tu vois, très 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 très, très bon point. Tu te on merde. Hein. Après, ça un me peu On dirait gros Tu vois Et le cuissard. Alors, bien sûr, là, le cuissard. Alors, le cuissard pareil. Je veux pas... Voilà le cuissard. Donc, bretelle large, donc ce que je fais tous. Hein. Donc, tu peux voir la bretelle assez large. Au là, Tu vois Voilà. Donc, pour éviter que ça filoche et que ça t'irrite ici. Donc, bretelle assez large. Donc, sur l'arrière, c'est aéré aussi. Je pas voilà. Tu vois, aéré. Moi, j'aime bien la sobriété. Donc, tu vois, sur. Parce que tu as, as des marques. Tu n'as pas de carte. Tu as la carte du tour, en fait. Tu n'as pas une carte publicitaire. Vous voyez ce que je veux dire Une marque française. Ici, sur un côté de la jambe, tu as la marque Suke. Et de l'autre côté, tu as juste un petit truc. Donc, tu peux pas faire mieux côté sobriété. Ça, c'est très bien. Et la peau. Alors là, voilà, ça, c'est surtout le nerf de la guerre, la peau. Et écoutez, les amis, je suis resté, comment dire, sur le cul. Tu vois, j'étais surpris. Comme vous savez, j'ai quand même des cuissards ben, haut de gamme, très haut de gamme. Donc, j'ai italien je dirais les marques, j'ai du Santini, du Castelli, j'ai des le Col, tu vois, de tout dans le haut de gamme, donc, entre guillemets, c'est ceux qui se fait de mieux dans euh, voilà, la matière, mais chez eux, je dis pas que c'est plus, je dis pas que c'est mieux, moins bien, tout ça, <laughs> Quand j'ai mis le cuissard, quand je me suis assis sur le, déjà sur la chaise, pour mettre les chaussures, je n'ai pas essayé, tu sais à qui, je n'ai pas essayé à la blonde, Château d'Axe, je comprends mieux. Ben ouais, elle, un truc de malade. Alors, c'est savez que les cuissards, quand ils sont neufs, ouais, c'est que bout de, au bout de 10 km, ils à avoir le cul. pour ça que moi, je leur ai dit attendez, moi, je veux un très beau cuissard, je fais pas du. j'ai rien contre, je veux dire, je ne fais pas du lotaf. Tu vois, par exemple, donc moi, voilà, donc j'ai essayé deux fois, donc une fois sur à peu près 100 bornes et l'autre fois sur 140 bornes. Oh, le cul parfait. Même pas une croûte rien. Tu vois Dans la peau. Dans la peau, tu vois, elle, était, elle est... Bon là, ça veut rien dire sur la caméra, tu vois. C'est assez, assez épais. Mais surtout, la peau, elle est en mémoire de forme. Donc, ça supporte... Bon là, après, voilà, c'est toute technique, tu vois, le truc. Ça supporterait, voilà. Euh, 90 kg par centimètre carré. Large. Bon alors... Large. Ensuite, ce que j'aimais bien, c'est que alors selon les marques, tu as euh, les peaux, tu es hérité sur la peau, pourquoi Parce que comme tu vois ici, donc ici, donc, voilà, là, là, là tu as la mousse, tu le vois là ici, et la couture, sur certaines marques, elle se trouve ici. Et le problème, c'est que ça, ça t'hérite. Donc eux, ils l'ont rallongé et tu vois la couture est ici, donc couture plate, vraiment très très plate. Et aussi, le truc que j'ai bien aimé, pareil niveau confort, si tu as des cuissards de merde etc il faut pas le dire il faut, il faut le dire je veux dire euh, ça peut te gâcher ta sortie et ça te gâche ta sortie ça te pourrit ta sortie complet parce que ben, tu veux payer une cuissarde pas cher et au final ben, ça te nique la sortie tu vas payer une fois et tu vas l'acheter à peut-être 20 euros et tu laisses camper parce que euh, voilà quoi tu vois et tu ne veux même, même pas utiliser sur l'homme trainer et, et sur le devant donc tu peux voir donc ça finit ici le devant il va accélérer voilà ah, c'est parce que souvent tu as pareil tu as des marques aussi la couture donc la couture s'arrête par là et souvent par là c'est là où tu as les castagnettes tu vois eh, eh, ouais donc des fois tu rentres et eh tu peux dire que tu as fait une épilation définitive si de plus tu vois tu as le perroquet qui est complètement rasé si en plus tu as une irritation derrière ça couine hein pas de câlin à maman, hein. intéressant de toucher, hein. ouf, tu vois, donc ça, ça c'est très très bien, donc un très bon point. Et ensuite, côté, vous voyez un petit peu, ça c'est élastique au niveau de la jambe, pour le maintien. Or, ça, or, au début je fais mmh, c'est moi bon, voilà, moi j'ai ouais, les autres, quand tu passais, tu sens que ça, tu avais une petite réussissance, tu sais, tu te dis, c'est silicone, ça tient bien. Là, je dis, putain, ça va pas tenir beaucoup, pardon, ça tient pas, malheur. Ah, juste avec la transpiration, ça colle, ça fait ventouse. Et même quand tu l'enlèves, tu as les petits traits là qui sont euh, sur la peau. Ah ouais, je peux dire que ça ne bouge absolument pas. Donc les amis, moi, quand j'ai vu ça, euh, pff, et après, pff, voilà, un euh, tarif. Je un tarif. Donc un tarif, donc lui, il fait, donc c'est euh, le modèle haut de gamme, c'est le 1602 pour ceux qui les iront voir, il fait dans les 90 euros. Attention, c'est plein de fer, ce que je vous dis là, hein, les tarifs plein de fer. Et le maillot, celui-là, c'est pas le haut de gamme, il fait 80 euros. Celui-là, il est magnifique. Et euh, après, ils font des kits. Si exemple, tu prends un maillot plus un cuissard, pff, ça te tombe le prix. Et de plus, ben, comme, voilà, comme je suis partenaire, garçon, eh bien, tu as 15% de réduction sur ta facture alors c'est sur tout le site toute l'année c'est pas comme un truc certains mois de l'année tel jour tant de temps et tout Année bissextile ou pas non non là c'est tout le temps non stop déjà c'est très bon point donc 15% cyclopassion donc ça te fait à peu près un ensemble maillot cuissard à 150 balles attention ok c'est un budget mais tu as, le, tu as le haut de gamme. Et ce qui est bien, c'est que, pensez à une chose, c'est que ces maillots-là, celui-là ou les autres, tu n'en croiseras pas beaucoup sur les routes. Ça, c'est bien. Donc tu vas être un privilégié. Et ça, moi, j'aime. J'aime pas croiser le mec exactement. Même, il est comme toi. Est il est habillé comme toi. Moi, je n'aime pas. Tu vois. Là, tu es vraiment ce maillot-là. Euh, sur la route, -là, je suis tout seul à l'avoir. D'ailleurs, certains mecs qui m'ont croisé, il y en a qui m'ont dit, il est beau ton maillot. Hein ah ouais, il est beau, il est beau, il est beau. Tu vois Donc tu vois que ça interpelle. Donc allez voir le site, vous allez voir tout ce qu'ils ont prévu. Euh, Franchement, très bien. Donc pour 150 balles, euh, tu as vraiment du très très beau matos. Ben, entre guillemets, pour pas cher. Ça, maillot plus, plus cuissard chez la concurrence, c'est-à-dire chez, voilà, chez les grandes marques italiennes. Bah, c'est plus du double. Ça, c'est sûr. Plus du double. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà les proto. Ok, bah, écoutez, je vous mets tout ça en bas de description. Regardez, tac, 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 tac. Vous verrez. Euh, et ceux qui commandent, ceux qui l'ont essayé, euh, dites-moi en bas des commentaires. Hein, Qu'est-ce que vous en avez pensé Allez, bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Les... 5 heures dans une heure je vais me taper une petite série d'hommes traîneurs et eh ouais parce que là en ce moment il fait pas très beau chez moi beaucoup de vent plus de 90 km/h de vent je peux te dire il y a plus il fait froid et eh ouais tu vois on est le, on est le combien aujourd'hui on est le 13 juillet et eh ben je veux on se pèle le cul allez bisous à tous ciao ciao et que le cul te pèle. allez peace au revoir